J'aurais dû changer, je vais me faire allumer là. Bon, moi je suis pas très sensible à l'électricité. Par contre, il va absolument baisser mon attaque lui. Ça y est, on a passé les 20 heures, mesdames et messieurs. Ça y est. C'est fou ce qui se passe. Non mais arrête de faire rugissement, je tape déjà à 2 PV. Je fais moins mal que le poison. On a passé les 20 heures de live, c'est incroyable. Incroyable. Didalidou. Putain, il est long ce combat, hein. Allez, dégage. Va-t'en, vilain réchou. La 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 la. Ok. Je l'ai eu, lui? Non. Off course note. Ah mais putain, mais non! Je les avais tous esquivés, ici. Aïe, aïe, aïe. Ok, on y va avec Nidoking, c'est pas grave. C'est lui qui est fort quand les Pokémon volent. Hein. Après, est-ce que je suis vraiment obligé de faire toutes les routes? Ça, la véritable question. Je le fais pour l'XP, mais... En vrai, oui, parce qu'à un moment, je vais finir par me faire péter la gueule. C'est sûr. Si je le fais pas, je vais me faire péter la gueule. Ok, super. Après, il y a lui, là. Putain, mais il y a du monde ici aussi, mais... C'est quoi cette route infinie? La vache! Je me souvenais pas qu'il y avait autant de gens. La route, elle est plus longue que la Sylph-Sarl, en fait. C'est sûr. Le problème, c'est que les Pokémon, ils ont tous le même type. Ils sont poison ou vol. Donc, Kadabra ou Nidoking. C'est le seul qui amasse vraiment de l'XP, quoi. Et je sais que sur la piste cyclable, il y a beaucoup de motards, donc beaucoup de Pokémon poison. Putain.
Putain, ils auraient pas pu simplement écrire la phrase « Tous les Pokémon gagnent tant d'XP avec le multi-exp » au lieu de dire la phrase pour chaque Pokémon. C'est terriblement long, du coup. Niveau 27, puissance. Ouais, vas-y, j'ai la flemme, puissance. C'est pas une attaque combat. Ah non, j'ai relancé le processus. Ok. C'est pas une attaque combat, moi ce que je veux c'est des attaques combat. Allez, on enchaîne. Tout ce texte écrit, putain. Tan, 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 tan. Il y a des chances que je puisse casser la gueule de Koga et de la reine de Parmani relativement vite avec mon Kadabra, du coup. En fait. Vu que c'est des Pokémon poison. On peut le tenter, je finis la route et on peut tenter Koga, comme ça c'est fait. Remonter par la piste cyclable. Aller se faire Safrania. On redescend, on chope Force et Surf. Et go les îles écumes. Il y en a un qui est là, il y en a deux qui sont là, il y en a deux en face. Ça fait encore quatre dresseurs ici. Quel artichaut. Est-ce que je peux pas le bolosser avec Férosinge quand même? Peut-être c'est chaud. J'ai eu de la chance de faire deux coups critiques. Trois coups critiques. Aïe. Oh. Non. Non. Putain, mais ne pas arriver à tenir un seul combat sans mourir quand t'es bas level. Ouais, bah je l'ai battu, mais il n'y a pas vraiment de grande fierté, quoi. Le Pokémon que je suis en train de pex est mort. Ok. On va profiter de ce passage au centre Pokémon pour faire une mini pause. Je me fais un café, je remplis ma gourde, je monte le bureau et je suis à vous. A tout.
Allô? Allô, allô, re. Re. C'est le retour. C'est le retour, je suis prêt. Le café est là, l'eau est là. On est parti pour. Allez, 1h30, 2h debout. Pour faire du bien aux articulations, bien sûr. Pour arrêter d'être une vieille personne avachie dans sa chaise toute la journée. Je vais essayer de pas trop piétiner non plus. Parce que c'est un autre problème de piétiner sur place, mais bon. Est-ce qu'il y a vraiment des bonnes solutions? Au moins, je suis pas. J'aurais pas passé 24 heures full assise. J'aurais été un peu debout. Sinon, ça aurait vraiment pas été bon. Pour le corps et pour l'esprit, bien sûr. On va aller voir les deux motards qui sont là déjà. On va y arriver, mesdames, messieurs, on va y arriver. On va y arriver à ce défi. Je suis confiant. Je sais pas combien de temps il nous reste de jeu, de live. Mais je suis confiant. Là, les trois derniers badges, on peut les enchaîner. Bon, il y a la Sylph Sarl au milieu, mais. En vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Après, je ne sais pas du tout quel niveau il faut pour la ligue. Je me rends pas compte. Donc on va voir. Je pense qu'il faut être aux environs du niveau 50, quelque chose comme ça. Parce que je suis encore loin, mais bon. On va voir, il y a la route Victoire aussi avant. Il y a du taf, hein. Il y a du taf. Il y a du taf, du coup, faut accélérer. Faut accélérer parce que clairement, les 24 heures vont être passées. Si je pouvais ne pas atteindre 30, genre vraiment, si je finis à midi. Si je finis avant midi, c'est cool quand même. Trente, c'est 13 heures. 30 heures de suite, c'est 13 heures. Ça fait beaucoup. 30 heures, c'est ce que on a fait à notre premier anniversaire de stream avec Will. Et on se relayait, on était deux. Qu'est-ce qu'il y a, Togido? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis avec Hiroaki, mais non! Hiroaki vient d'arriver, incroyable. Il a réussi. Point d'interrogation. À quoi là maintenant? Non, 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 pas maintenant. Vous êtes des ouf, vous. Vous êtes des ouf. Vous allez pas venir là maintenant à 3 heures du matin. Mais enfin. Vous êtes mignon, hein, mais. Mais arrête! Pourquoi t'envoies des points d'interrogation, Tojido? Dormez! C'est pas l'heure pour faire des singeries. Vous êtes mimes, mais un peu fou. C'est vrai qu'ils sont fous. Moi, je suis pas fou du tout, moi, tout va bien. Pas du tout fou. En tout cas, je vois pas de quoi vous parler quand vous dites ça. J'ai 4 litres de coca dans le ventre, donc c'est la pleine forme. Et bah, vous en avez de la chance. Profitez-en bien tous les deux.
Mais vous allez pas venir ici à 3 h du matin. Soyez raisonnable. Le taux de sucre, ça m'étonne pas dire Rocky. Il doit être plein de gaz alors qu'il est. Est-ce que le mariage s'est bien passé quand même? Tu m'étonnes qu'il est en forme. Je sais pas si c'est très sain, mais en tout cas c'est très en forme, ouais. Je veux te donner un peu d'énergie, mais j'en ai. C'est juste que là vous allez donner de l'énergie à des gens qui dorment aux alentours. Et c'est un autre problème. Voilà. Oui, c'était top, bon tant mieux. Tant mieux, c'est cool. C'est cool. Et comment il est revenu sur mon pôle du coup, Hiroaki? Comment il a fait? Il s'est fait ramener? On sait se tenir quand même, oui, mais bon. Des gens qui dorment genre à 2 mètres, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Les gens autour vont pas aimer. Les gens au sein même de l'appart ne vont pas forcément aimer. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? À pied. Depuis Lunel? Fous de ma gueule, non? Dis-le que tu veux pas nous voir. Non mais arrêtez, vous allez pas en plus essayer de jouer sur la culpabilisation. Ça va pas la tête. Ils sont ouf. Les gars, il est 3 h. Déjà, je m'en veux un peu de stream à cette heure-là alors qu'il y a des gens qui dorment dans l'appart. Des gens. Soyez gentils. Me faites pas culpabiliser en plus. C'est le dernier, je crois. Hein. C'est le dernier de la route. Ah non, il y a une meuf aussi qui est planquée à un endroit. Oh. Il y a une meuf qui est planquée plus vers le bas. Faut pas que j'oublie le dojo aussi à Safrania, d'ailleurs. Il y a complètement le dojo de Safrania. Tu me verras pas en costard cravate. Fais une photo, Hiroaki. Fais une photo. Comme ça, je te verrai en costard cravate sans déranger les gens dans mon appart. Voilà. Quand j'habiterai tout seul, oui. Mais là, non. Ok. So we are good. Il y a juste une madame. Il y a juste une madame juste là. Voilà. Demain on t'amène les croissants. Ça, why not en vrai? Ça, pécapa. Oh, il est magnifique, il est si beau en costard. la petite bière à 3 h du matin, quoi. En vrai, ça m'aurait fait kiffer, hein, mais bon. Le contexte étant.
Qu'est-ce que j'envoie pour ça? J'ai envie de tenter Rafflesia, mais j'y crois pas beaucoup. Allez, on va tenter Carabaf. En tout cas, il est plus beau que moi actuellement avec le Kigurumi, hein. En costard, là, le BG. N'hésitez pas à pécho Hiroaki un maximum. Hein. Agrougrou Hiroaki. Putain, elle a esquivé deux berceuses. C'est toi le plus BG, BG, non. Non, 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 je suis dégueulasse. Je suis en Kigurumi depuis 9 h ce matin. J'ai chaud, je suis fatigué, j'ai les yeux éclatés. Et à un moment donné, je vais faire une pause douche, hein, je vous le dis. Une fois les 24 heures écoulées, je fais une pause douche. Hein. Je déteste passer autant de temps sans prendre une douche. Ça va faire 24 heures, donc il est hors de question que ça dépasse 24 heures sans douche. Voilà. C'est dead. Bref, je suis dégueulasse actuellement. Dégueu. Ajarbé. Poubelle. C'est poubelle. Eh ben écoutez, je crois qu'on a terminé la route. Non, il reste un Pokémon? Putain, c'est si long! Non, c'est bon. Tu restes Mims, je fais de mon mieux. Je reste Mims parce que j'essaye de me tenir droit et pas avoir mal au dos. Ok. Donc ça va aller très vite, ce qui va se passer à l'heure actuelle. Parce que je suis un malade. Je ne vais même pas visiter Parmani tout de suite. Je ne vais pas parler au PNJ. Je vais juste aller au centre Pokémon, soigner mes petits bébous, mettre notre Kadabra en première position et péter la gueule de Koga et de son arène. Voilà. Plus rien à foutre. Kadabra est KO. Ouais, bon, ça va, calme-toi. Ça veut rien dire, ok? Ok. D'ailleurs, Ferrosinge, il n'y a pas grand-chose de l'évolution, hein. On est à combien sur le Pokédex actuellement? 61. Il en manque encore 14, hein. Enfin, il en manque encore 10. Neuf même. Non, 10. Vu que les légendes, vu qu'il y a les légendaires. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les murs invisibles ici. Qui sont tout à fait visibles maintenant que je les vois sur PC. Viens là, pas bouger et mange ta mandale, il m'a dit lui. T'es sûr? T'es sûr, mon gars? Tu vas me tester, jongleur? Hypnomade? Ah merde, c'est un Pokémon psy ça. C'est pas du tout un Pokémon de poison. What the fuck? C'est pas prévu. Qui j'envoie contre ça? Tony Do King. Hein. La machine. Parce que lui, il peut pas être empoisonné. C'est également l'avantage. Ouais. C'est pas incroyable, laser glace, éboulement. Aïe aïe aïe, ces Pokémon qui n'ont pas de faiblesse. Tonnerre? De Brest? Non, laser glace c'était quand même le mieux, hein. Quoique, c'est parce que j'avais fait un coup critique, peut-être. Peut-être que c'était éboulement le mieux.
Au revoir. Ta-na-na-na. Allez, au revoir, jongleur. Merci d'avoir essayé. Bonjour, jongleur également, j'imagine. Crois-tu pouvoir me battre? Ah ah ah, Nabo. Pourquoi ils sont si méchants avec moi? Je suis un enfant de 10 ans. Ça se voit, non? Soporifique. À mon avis, il a un soporifique et un hypnomade, lui. Ça marche pas. Ça m'arrange pas. Dans le jeu, oui, RL. Bah, les deux, Erwan, ça se voit, non? C'est écrit sur mon visage, j'ai 10 ans. D'abord. Ouais, d'abord. Gili. Ta na 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 na. Tu du 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 du. Tu du 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 du. Ça passe. Ok. J'espère que c'est un deuxième soporifique à côté. Sinon ça va être compliqué. C'est long. C'est long. Kadabra. Jusqu'ici c'est une arène de Pokémon Psy, hein. Ça n'a rien à voir avec du poison. R à voir en fait. Allez, ah merde, l'attaque est pas disponible, je spam dans le vide sans réfléchir depuis tout à l'heure. Quand même, la reine est niveau 34. Déjà, c'est que j'ai le niveau, à peu près. Et peut-être que, du coup, la reine de Safrania sera moins badass. Parce que techniquement, dans l'ordre établi de base, c'est censé faire Safrania avant. En tout cas, Safrania est débloqué avant, et Parmani est beaucoup plus loin. Oh non, il fait soin, le bâtard. Oh. Est-ce que j'ai récupéré morsure ou pas? Oui. Aïe, 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 aïe. C'est dead. C'est dead pour Karabaf. Qui se sera... bien battu. Peut-être que Rapace de Pique servira à quelque chose ce soir. Cette nuit. Attention, choc mental, c'est une attaque très faible. Voilà. Choc mental, c'est plus de la moitié de mes PV. C'est génial. C'est sublime. Rafale Psy, je suis évidemment mort. Vraiment, Rapace de Pique, tu me fais pitié, mais... c'est dur. C'est dur à dire et c'est dur à entendre. Aïe, 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 aïe. Quelle laboriosité, ce Pokémon, depuis le début, là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas par quoi le remplacer, en tout cas. Faut que je trouve un Pokémon pour le remplacer, mais je sais pas quoi. Sachant que j'aurais pas le droit de le remplacer par un légendaire. Je sais pas trop. Encore un jongleur, encore des Pokémon Psy du coup. Je vais être un ninja pour faire ya. Ya. Ok. Pfff.
Bien, bien, bien. Il est sensible au psy, lui, putain. Il devient fou. C'est dur. C'est dur ce qui se passe. On va perdre Nidoking. On va peut-être même perdre ce combat. Là, ça sent pas très bon. Il me reste un Pokémon combat qui va se faire one shot. Elle est plante poison. Donc poison contre le psy, bon. Pas fou. Il rappelle soporifique. Pour envoyer un autre soporifique, what? En tout cas, je n'ai que coupe contre eux. Et après, il y a mon Kadabra à moi. Donc du psy contre du psy, ça fait pas grand-chose. Je ne peux plus faire coupe. On va faire méga sangsue, avec un peu de chance. Au moins, ça me maintient un peu en vie. Ok. Je prends. Je prends, je prends. Peut-être que le férocinge va évoluer sur ce combat. On sait jamais. Peut-être. Est-ce qu'il envoie le soporifique de tout à l'heure? Absolument. Ça dégage. J'espère qu'il n'y a pas un hypnomade dans le tas parce que sinon c'est compliqué. Niveau 30 pour Rafflesia, c'est cool. Kadabra. Non, je ne change pas de Pokémon. Je ne change pas de Pokémon, par contre j'ai peur. En plus il a soin ce bâtard. Aïe aïe aïe. Oh waouh. C'est mort. C'est mort. Je pense vraiment que c'est mort. J'ai envoyé mon propre Kadabra qui est plus fort, mais bon, c'est psy contre psy quoi. Et j'ai que Rafale Psy qui fait mal. Oh, il est confus, incroyable, la chance. Oh, la chance. Oh là là. Profitons-en. Et je gagne d'un niveau, incroyable. Allez. Ça va être long, mais avec un peu de chance, je peux le rendre confus. Par contre, s'il fait entrave sur Rafale Psy, c'est la merde. Choc mental, il va rien me faire. En vrai, je vais gagner juste parce que j'ai plus de niveau, quoi. Ça me va, je vais gagner, du coup. Mais bon. C'est pas génial comme combat. Au moins, je suis pas mort. Je me demande si je tente le diable en essayant d'aller voir le mec suivant qui ne doit pas être un jongleur mais un ninja. C'est encore un jongleur, vas-y. C'est une arène de type quoi? Ils sont plantés. La reine de type psy, elle est ici, elle est pas du tout à Safrania.
Putain, je vois les overlays qui laguent de ouf. J'espère que c'est pas trop chiant à regarder du coup. Ils font des à-coups sur tout ce qu'ils font. C'est assez terrible. Type poison, type ninja. Je vais être un ninja et sauter d'arbre en arbre. Comme à la télé, comme X-Pork. Le goré de l'espace. Je sais pas qui c'est, frère. Je sais pas qui c'est, mais par contre, les choses étant, tu n'es pas un ninja. Dompteur, ah. Peut-être que... Arbok, ah, là on parle. Là on parle. Là, c'est des Pokémon poison. Là, Rafale Psy, ça fait du dégât. Tu sais ce qui est du poison aussi d'ailleurs? La bière. D'où le point d'interrogation, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai bon? Allez, Férosinge. Férosinge, il faut évoluer un moment. Un Sablero, je vais changer. J'ai hâte d'avoir le Tortank. Hein. Ça va mettre un tel boost dans l'équipe, le Tortank. Parce que là, il commence à être un petit peu faiblarouné. Hein. À pas se mentir que c'est pas un des cadors de l'équipe. Hein. C'est le numéro 3, hein, je dirais. Après Kadabra et Nidoking. Il est pas dans le trio de faibles, mais il est limite dans le trio de fort, quoi. Dompteur va appeler Arbok. Ok, on va récupérer Kadabra du coup. J'ai pas du moment où Kadabra va devenir le faible. Hein. Juste parce que c'est qu'une seconde évolution. Et qu'il a pas les meilleures stats. Ok, toujours pas de niveau monté pour Férosinge. Gruy qui l'a dit. Koga fait partie d'une grande famille de terribles ninjas. Et toi, d'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi? Et toi, tu es un... jongleur du cul. Avec donc des... Pokémon Psy, bien sûr. Tu sais quoi, je garde Kadabra et je vais le défoncer à coup de Pokémon Psy. Ça va être long et pénible. Mais c'est pas grave. Oh non, il peut m'empoisonner le bâtard. Allez, on se tait. On se tait maintenant. Hypnomade, bah bien sûr. Ouais, je vais changer, ouais. Je sens que si je change pas, Kadabra il va y passer. Et que je vais être obligé de retourner au centre Pokémon. J'aimerais bien y retourner juste avant Koga, uniquement. Je vais faire Laser Glass parce que j'ai des chances de le geler, au moins. C'est la seule raison.
Allez, champion. Ah! Plouf! T'es mort! Ok, j'espère que le dernier est un dompteur et non un jongleur, parce que vraiment, là, c'est une arnaque, cette arène. Hein. Complètement une arnaque. Comme s'il n'y avait pas assez de Pokémon poison comme ça. Genre, il y a des Pokémon plein de poison, il y a des Pokémon poison tout court. Pourquoi il n'y a que des Pokémon psy? Sérieux? Tu peux m'expliquer? Pas bouger. Nos jolis murs invisibles sont sympas, non? Non. Je dois bien admettre que non. Ah, le Dompteur qui a un joli Arbok, c'est ça? Sablero. Sablero, petite méga censure, on n'en parle plus, non? Plus ou moins. Petite Volvi. Petite Volvi, là. Normalement, oui, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. Au revoir, Sablero. Bisous. T'es bien mignon, mais bisous. Et maintenant, nous accueillons tous ensemble l'incroyable Pokémon Poison qui est Arbok, n'est-ce pas? Voilà. Ce à quoi on va appeler Kadabra pour en finir rapidement avec ce qu'on appelle la Rafale Psy. Connaissez-vous la Rafale Psy? Il s'agit de cette attaque. Ça, c'était Arbok, au revoir. Voilà. C'est comme ça qu'aurait dû se passer cette arène tout du long. Si ça avait pas été cheaté. Et Carabaf monte niveau 31. Il va prendre repli, j'en ai rien à foutre de repli. Juste pour booster ma défense. J'ai pas envie. Et Férosinge, à un moment donné, il évolue ou pas? Non! Peut-être qu'il évoluera contre Koga, on sait pas. Allez, je vais me soigner. Parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres. En tout cas, j'espère. Salut! Ok. Allez, le cinquième badge, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Le cinquième badge. Au bout de la 21e heure, probablement. Salut Koga. Gouahahaha. Un nain ose me défier, moi, le grand, le beau, le terrible Koga. Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner! Puisse la poigne de mes poisons pétrifier de peur la paix et tes petits Pokémon. Montre-moi tes poisons, Koga, on va voir. Au lieu de te la péter, là. Smogo, ça c'est poison, je suis d'accord. Ça, je valide. 37! Ouh, les gros niveaux. Ouh, les gros niveaux du monsieur, là. C'est son premier Pokémon, il est déjà niveau 37. C'est one shot, ok. Ok, jusqu'ici je touche du bois. Je monte niveau 36 également. On aime bien, on adore. Peut-être Férosinge désirerait-il évoluer? Peut-être. Non. Gros tas de morve, c'est poison, j'accepte.
Kadabra supérieur au poison. Bah ouais, niveau 39 quand même, gros tas de morve. Pas mal. Il m'empoisonne. Bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre car il est mort. Il est full mort. Full dead. Très bien, le suspense est total. Pour le moment, je suis juste empoisonné. Est-ce que c'est le moment pour faire au singe éventuellement? De procéder à une évolution? Pas du tout, putain. Smogo, c'est encore poison, du coup j'accepte. En plus j'aime bien parce que ça me fait penser à Mogo, et j'aime bien Mogo. Holo. Mogo la streameuse, bien sûr. Zwip, au revoir Smogo. Très bien, jusqu'ici ça se passe comme je l'avais prévu face à Koga. Et j'imagine qu'il reste un Smogogo, peut-être. Peut-être, peut-être. Smogogo, exactement. Mogo, mais oui. Non, non, je change pas de Pokémon. Smogogo, on regarde bien. 43 le niveau. Oulala. L'écart est pas mal. Heureusement que j'ai Kadabra. Oh, il fait destruction, le bâtard. Kadabra va mourir. Mais c'est pas grave. Horrible, mais c'est pas grave. Le combat est gagné, mesdames, messieurs. Il a été à la hauteur. Bravo à lui. Bravo à notre ami Kadabra. Ouais, niveau 43, ça commence à piquer. Hein. Ça y est. Enfin! Enfin le colossinge, mesdames, messieurs. Colossinge, colossinge, on veut colossinge. Colossinge, colossinge, on veut colossinge. Le badge âme. Mesdames et messieurs, probablement le futur killer de notre équipe, j'espère. Quand il aura des attaques combat. Oh, il fait peur. Il fait peur, colossinge. Ah, gougou. Ça pourra monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf. Attends, prends aussi ceci. CT06 est toxique, je crois. Toxique. Cette technique secrète est sacrée et vieille d'au moins 400 ans. Je te jure. Toxique, c'est génial. Ça empoisonne un Pokémon et à chaque tour, ça double le point de vie que ça lui enlève. Je vais m'empresser de la mettre sur Rafflesia. Alors, tout le monde peut la prendre en plus. Je suis en train d'hésiter à le mettre sur Rapace de Pique pour qu'il serve à quelque chose, mais non. On va être logique et je vais la mettre sur Rafflesia que je suis sûr de garder jusqu'à la ligue. On va oublier Poudre Toxique en vrai, je peux remplacer complètement Poudre Toxique. Par ça. Ça sert à rien d'avoir deux trucs qui toxicifient, dont un qui est plus puissant que l'autre. Ok, mesdames et messieurs, ça fait 5 badges. 5 badges. 5 badges. Et ouais, c'est badass toxique en vrai. Hello. Le gardien du parc safari est vieux, mais trop cool. Ses dents sont méga fausses par contre. Je viens d'apprendre un truc. Ah, tu connaissais pas toxique? Léo enregistre ses données sur les Pokémon, sur son PC. Il t'a déjà montré tout ça? Oui. Tu connais Léo? Mais c'est mon petit-fils. Il souffre de collectionnite, comme moi. Comme moi. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de collectionner les Pokémon dans un défi où je suis censé aller vite. Voilà, voilà. Vous savez tout. Oh, c'est la super canne? Je suis le grand frère du maître pêcheur. Moi, mon truc, c'est la pêche. T'aimes la pêche, petit? Ouais. Cool, t'as l'air d'un bon gars. Prends ça. Que la grande pêche soit avec toi, petit. Ouais, la super canne. Super. Pour choper des petits tards. Je peux en choper ici, vous croyez?
Il est pas là pour rien, ce lac. Si? Est-ce qu'on me ment? Je connais l'attaque, mais je pensais pas que c'était du même acabit que poudre toxique. C'est beaucoup mieux que poudre toxique. Poudre toxique, ça empoisonne le Pokémon, qui va perdre un même montant de PV à chaque fois. C'est quoi Sirène? Toxique, ça empoisonne le Pokémon. Au premier tour, il va perdre un tel montant de PV. Au deuxième tour, le double. Au troisième tour, le quadruple. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il meure. C'est ultra pété. Allez, tu meurs pas avec écume. Voilà, parfait. Ah oui, c'est trop bien. Faut réussir à le placer, par contre. Je sais pas s'il a un taux de précision si élevé que ça, mais... Et boum, Poissirène, ça c'est bon. Tu 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 tu. Sa queue ondule gracieusement comme un voile, on l'appelle Reine des Océans, c'est beau. Est-ce qu'on va lui donner un surnom? Non. Allez, on essaye de choper un petit art peut-être. Ce serait super. Fuck. Fuck, 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 fuck. Je fais encore trois tentatives. Tentative numéro 1. Attention. C'est un Poissirène, on s'en branle. Niveau 10 qui plus est. Numéro 2. Tadam! Même pas une touche. Même pas une touche. Ça se trouve, il n'y a que des pois sirènes là-dedans. Hein. Par contre, je suis impressionné que tu arrives encore à me comprendre alors que ma phrase n'était pas française. Et j'ai pas d'excuses vu que j'ai dormi contrairement à toi. Je suis un génie. C'est pour ça. Putain, même dans le retour minuscule, je vois mes cernes. C'est fou, non? Ah! Alors peut-être? Oui! Yes! Yes, bébou! À moi. Super balle. Parfait. Je suis ravi. Il court mal avec ses petites pattes. Il préfère nager que se tenir debout. Je comprends. Merci pour la canne, monsieur. Au revoir. Ah, c'est celui qui donne force. Il fut fait fifou. A forf. A fif. Fafari. Oh. F. Ifi. Oui. Aïe, oh, fufu. En fait, il a perdu ses dents dans le parc Safari. Tu le fais pas évoluer? Faut que je regarde au niveau combien il évolue. Mais peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Petit art. Petit art, petit art.
Je cherche la bonne fiche. Niveau 25. Ça va être long. Ah bah merci Erwan. Niveau 25, ça va être long, on va pas faire ça maintenant. On va faire ça à un moment donné où monter niveau 25, ce sera rapide. Et si, j'ai vraiment besoin de le faire, surtout. Il y a un zoo devant l'entrée du parc safari. Le jeu du safari permet d'attraper des Pokémon. Waouh. Sans deck. Nico. Mais oui, Julia. Elle est tout le temps à la bourre. Je sais pas qui c'est. Poképédia, ma bible. Moi, j'étais sur Pokébip. Mais je suis sur mon téléphone aussi. Cette balle est vraiment un Pokémon? C'est un Voltorb, c'est ça? Connais-tu le jeu du safari? Certains Pokémon n'apparaissent qu'à cet endroit. Et oui, il paraît. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'y aller, en vérité. Est-ce qu'il y a des hyperballs? Oh, il y a des hyperballs, j'adore. Allez, bim, 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 on les prend. Pour les légendaires, bientôt. Il est bientôt temps des légendaires, mesdames et messieurs. En tout cas, dès que j'ai surf, je peux en récupérer 2 sur 3. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que j'aille... Que j'aille à Argentin chercher l'ambre. Quand je pourrais aller à Cramoisil. Pour avoir 2 autres Pokémon. Le Ptera et le... Ammonita. Ramolos s'y connaît beaucoup en Pokémon. Il a même des fossiles de Pokémon rares et anciens. Nous avons surnommé le gardien Ramolos. Bah oui, il ressemble à un Ramolos. C'est logique. Ramolos m'a parlé, mais je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Je crois qu'il a un problème pour parler. Je pense que le parc safari, on le fera après. Vraiment, j'ai la flemme là tout de suite. J'ai envie de remonter par la piste cyclable. De taper les bolos qui sont là-bas. Pour continuer Apex. Parmani a été fouillé. Attends. Wait. Nous sommes à la route 18. Qu'est-ce qu'on a, route 18? Ratatac, Piafabec, rapace de pique, Doduo. Rien de nouveau, rien que je n'ai pas déjà.